وقل رب زدني علما. Ceux qui, devant le Seigneur, avec le remerciement. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir à nos invités. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. Donc, je vais, en guise de respect pour nos invités, je vais essayer de développer exclusivement en français. Sinon, lorsque j'utilise, je me réfère au verset coranique, je les resitue en langue arabe pour pouvoir leur appliquer une interprétation. Voilà, que mes chers frères, pères, mères et sœurs m'en excusent parce que d'habitude, en panache, on essaie de faire un mixage entre la langue arabe et la langue française. Voilà, donc l'importance de la culture religieuse dans la promotion du livre ensemble. En quoi le fait de connaître le fait religieux en général et notre religion en particulier en tant que musulman soit d'un apport, d'un soutien au vivre ensemble, au faire société ensemble. Très souvent, on a ce cliché qui consiste à penser que connaître, avoir des connaissances religieuses, cheminer religieuse, serait incompatible avec l'autre parce que être religieux, c'est être intolérant, c'est avoir des convictions inamovibles, intangibles, et donc systématiquement, l'autre, on l'exclut. Et à peine, comme disait mon cher frère Azdin, à peine on le tolère, on supporte. Je rappelle que même ici, en Occident, on a une fâcheuse définition de la liberté qui consiste à dire « ma liberté s'arrête ou commence la liberté des autres ». C'est-à-dire que je vis la présence de l'autre comme un non-lui, comme un frein à ma liberté. Alors que normalement, religieusement parlant, théologiquement parlant, comme disait mon cher frère Azdin, l'autre m'est indispensable pour développer ma représentation de la vérité, parce que la vérité, je ne la détiendrai jamais. Je suis le pèlerin de la vérité. Et lorsqu'on parle de dialogue interreligieux, moi, honnêtement, je lui préfère le dialogue interconvictionnel. Parce que lorsqu'on confine le dialogue lorsqu'on choisit le vocable dialogue interreligieux,
on est dans l'exclusion des non-religions, des autres qui ne vivent pas une religion céleste. Et par rapport à cette sécularisation qui est passée par là, surtout en Occident, on sait que beaucoup de gens ne reconnaissent pas du tout dans une religion. Est-ce à dire que ces gens-là ne méritent pas de notre part qu'on tende vers eux des ponts, des passerelles, voire mieux que les ponts et les passerelles, des échelles, hein, pour essayer de converger et de se rencontrer au niveau des valeurs qui sont d'origine divine, même si les incrédules, les non-croyants n'adhèrent pas à cette manière de voir. Moi, en tant que musulman, lorsque je lis l'anthropologie coranique, le discours du Coran sur l'homme, c'est un discours en fait qui me propulse, qui me pousse vers l'autre, parce que Dieu me dit que tout homme, avec grand H, quelle que soit son origine culturelle, ethnique, sa couleur, son moment de naissance, son époque, il a été créé à l'image de Dieu, l'image morale et éthique en islam. Nul à l'assemblance d'Allah, laïsa kamithlihi shay. Personne, rien n'est à l'assemblance de Dieu. Lorsqu'on parle de, à l'image de Dieu, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Khalaqa ar-Rahmanu Adama ala surati. Le tout miséricordieux a créé Adam, l'archétype humain, à sa semblance, à son image, entendu par image, c'est-à-dire Allah, Dieu, à qui appartiennent les noms excellentissimes, les perfections infinies, il a créé l'être humain avec ses qualités, mais en miniature, borné par sa condition humaine, par sa petitesse humaine. Mais toujours est-il l'homme porte en lui, justement, en miniature, ses perfections de Dieu. C'est la trace de Dieu en lui. Et après l'avoir perfectionné, l'homme, c'est Dieu qui parle de la création d'Adam, après l'avoir créé, symétrisé, proportionné, ramené à la perfection, ce réceptacle argileux. Après, je lui insuffle de mon esprit et il dit aux anges de se prosterner devant ce chef-d'œuvre divin, ce chef-d'œuvre adamique créé par Dieu. Et donc, c'est ce souffle qui fait que l'homme est porteur en lui d'un rayon divin inéclipsable, impeccable. Et tout homme est porteur de cette bonté, de cette vérité, de cette beauté, de cette justice, de cette vertu, quelle que soit la socialisation qu'il a subie, quelles que soient ses chutes, l'homme continuera toujours à avoir cette bonté profonde et on ne peut pas développer un programme pour l'homme, une gouvernance, une bonne gouvernance, si au préalable on n'a pas une idée sur l'homme. Hobbes, lorsqu'il a écrit son Léviathan, ah ben il est parti de l'hypothèse que l'homme est foncièrement méchant. L'homme est un loup, pour l'homme est un ennemi, pour l'homme, et donc il faut une gouvernance tyrannique justement pour l'empêcher de sévir et d'agresser et de déposséder son voisin de sa propriété. Et ben non, le Coran, il nous dit que non, oui, l'homme peut dégénérer de chute en chute, il peut s'éloigner loin d'une éducation, d'une
spiritualisation, il peut s'éloigner, mais il reste toujours rattrapable. On peut toujours le racheter, on peut toujours le socialiser, l'éduquer et en faire un membre utile pour lui-même et pour la société. Donc le fait de croire, moi, en tant que musulman, que l'autre, quelle que soit sa religion, sa croyance, son incrédulité, et comme moi, porteur de cette trace d'Allah, de ce souffle de Dieu, de ce principe divin en lui, on le lit dans le Coran, mais vous tous lisez le Coran. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Et quand ton Seigneur prit des reins d'Adam, leur postérité, leur descendance, et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent, « Si tu es notre Seigneur. » Toute personne porte en elle ce pacte, cette ressemblance éthique et morale avec Dieu, qui est un préalable nécessaire pour communier avec Dieu, pour communiquer avec Dieu et pour communiquer justement avec les créatures humaines de Dieu, parce que elles, toutes ces créatures, sont porteuses comme moi de cette bonté, de ces catégories. Comment on arrive à se comprendre? Comment les hommes, avec mon tâche, ça inclut les femmes, comment les êtres humains s'accordent à dire que tel comportement est juste, tel comportement est charitable, tel comportement est vertueux. Et sur les grands axes, sur les universaux, les fondamentaux, on est tous pareils, parce qu'on a tous été créés de la même manière, avec bien sûr dans les détails des capacités de variété, de diversité qui conviennent à l'infinie bonté de Dieu. Dieu a une infinité de perfection, et dans sa théophanie, dans sa manifestation, Dieu, il a fait que ses créatures sont infiniment variées, disait mon frère Asdin tout à l'heure en citant un verset. Je peux en citer un autre dans la surat Hud, voilà où Cheikh Arabouk, la جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Verset surat 11, verset 118. ولذلك. Et si Dieu l'avait voulu, il vous aurait créé d'une même manière, homogénéisé, photocopié, calqué les uns sur les autres. Et maintenant, Dieu, dans l'infinité de ses perfections, il a voulu répercuter cette infinité de perfections dans sa créature humaine. Et on ne trouvera jamais deux personnes qui sont entièrement semblables. On porte tous un socle commun, hein, qui fait notre adamité, notre humanité, mais au-delà de ce socle fédérateur, rassembleur des hommes, au-delà de ce socle, on est tous différents, et Dieu merci. Et justement, cette différence, elle nous permet d'aller vers l'autre, lui demander un complément, n'est-ce pas, de cette vérité, ou comment il se représente cette vérité. Moi, je la vois, je la vis depuis mes coordonnées à moi, coordonnées spatiales, temporelles, psychologiques, par rapport à mes paradigmes, par rapport à mon temps, à l'ère du temps, et l'autre, hein, qui vit avec moi ou qui a vécu avant moi, parce que je lis aussi, lorsque je lis les œuvres des autres, des anciens, musulmans ou pas musulmans, en fait, je fais mienne
leurs approches. Et je complète mon approche de cette vérité. Moi, je la vois à travers un seul angle, mais en lisant, en pérégrinant, disait mon ami, en récitant le verset de la sourate, le pèlerinage, que Chir m'a corrigé. Je vous jure, je dirigeais, bien sûr, mais bien sûr. Bah, surtout le Coran, on ne peut pas. Ah ben, il faut être modeste. Et depuis ma place là-bas, je corrigeais mon frère. Je disais non, c'est pas Yaqloun, c'est Yafqahoun. Et j'ai dirigé la prière en récitant Yafqahoun. Et j'étais sûr de moi. C'est dire que même on intra, on a besoin des uns des autres, justement, pour se corriger. Et le Coran, pour nous, le statut du Coran, c'est la révélation de Dieu, et vraiment, il faut être dans l'humilité, dans la modestie et dans l'écoute lorsqu'on se fait corriger. C'est dans un long paragraphe, en fait. Inna Allah yudafi'u 'ani alladhina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu. Donc c'est un long paragraphe très riche qui regorge d'informations. En fait, c'est le premier verset à avoir autorisé la minorité musulmane, quand elle a émigré à Médine, de réposter à l'inquisition que leur faisaient subir les Mécois, ces inquisiteurs qui voulaient leur faire changer de religion. En fait, ils les avaient dépossédés de leur terre, de leur bien, de leur... Et ils les avaient acculés à l'exode, à l'émigration. Mais lorsque Dieu leur avait autorisé de leur résister pour la première fois pendant 13 ans, les versets se succéder pour leur dire: restez dans la patience, ne ripostez pas par la violence à la violence, jusqu'à Médine où ils reçoivent la première autorisation de riposter. Mais Dieu de leur dire: attention, c'est une autorisation ponctuelle dont la finalité, elle est dans le verset lui-même: voilà où la diffère Allah inna sabardahum bi ba'd la hudimat sawami'u والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Donc, quand bien même l'autorisation vous fut donnée, il ne faut jamais perdre de vue qu'en fait, cette opposition entre les hommes, ce n'est pas pour convertir l'autre, pour lui imposer ta manière de croire ou de ne pas croire, mais pour permettre, pour offrir aux gens une ambiance de liberté de conscience et d'échange qui permet à tout le monde de s'épanouir spirituellement. C'est très important. Et après avoir cité trois exemples, des églises, des synagogues et des ermitages, où se pratiquait un monachisme, une austérité, on va dire, religieuse, ou un masajid, et Ibn Ashur, Ibn Ashur, un grand exégète du Coran, je vais terminer très rapidement. J'en suis à début. Je vais offrir les quelques minutes à nos amis pour échanger. Je préfère que cela se termine dans l'échange, inchallah. Voilà. Juste pour dire, dans ce verset, après avoir cité trois lieux de culte pour dire la nécessité d'une ambiance qui offre cette possibilité de liberté de conscience, et il généralise, parce qu'il ne va pas nous faire d'inverser, nous citer tous les cultes de l'époque, ou antérieure ou à venir. Ou à masjid, et masjid en langue arabe, le ma, quand il vient, la particule m, quand elle vient en préfixe d'un nom, c'est pour signifier le lieu. Mustashfa, manzil, masjid. Voilà, madrasa, là où il y a le mim en préfixe, c'est pour signifier le lieu. Donc, masjid pour dire tous les lieux de culte. Et Muhammad ibn Ashur justifie que le masjid ici, ce ne sont pas les mosquées, parce que c'était au début de la révélation médinoise et il y avait une seule mosquée à Médine. Muhammad ibn Ashur, c'est une sommité
exégétique, voilà, qui fait autorité en la matière. Voilà, donc j'étais en train de dire que, en fait, une connaissance religieuse, un cheminement religieux, loin de constituer une pierre d'achoppement, un frein pour vivre ensemble, avec une bonne interprétation du texte, le texte peut se transformer en un lieu de sainteté, de faire société ensemble, de pacification, de partenariat. Après, bien sûr, dans la pratique, tout n'est pas rose et tout texte est susceptible de mésinterprétations. On ne va pas nous voiler la face, nous musulmans, on sait, au moment même où on parle, moi j'ai emprunté ma voiture, j'ai mis France Info, il y a un attentat, il y a eu un attentat à Londres, les premières analyses de la tribune à un citoyen de religion musulmane, donc on est là justement en tant que qu'imam, que musulman cheminant qui connaissant notre religion, à essayer de ne pas rater une occasion pour être dans la déconstruction des préjugés, dans la rectification des mésinterprétations de notre religion, et on insiste, et on ne cessera jamais de le dire, un livre aussi complexe, aussi nuancé que le Coran, toutes les traditions religieuses en fait, un kidam, un musulman lambda n'a pas le droit de prétendre au passage de la lecture du verset directement à son application. Il faut passer par un magistère. Et c'est dans toutes les dans toutes les traditions. Et nos anciens, lorsqu'ils citent les compétences de ce magistère, je vous jure qu'aujourd'hui, si on l'applique, on ne trouvera personne à la hauteur de ce producteur de savoir coranique, n'est-ce pas? Donc, c'est tellement un exercice difficile qu'il faille réunir et rassembler plusieurs disciplines, justement, pour permettre cette intelligibilité du texte coranique, cette applicabilité du texte coranique. Il y a une très grande différence entre lire le texte, parce qu'il nous vient de Dieu, exposer son cœur à la lumière, aux provisions, à la sainteté de ce texte pour le purifier comme une éponge, exposer un jet d'eau intense, ça n'a pas besoin de connaître les propriétés de la molécule de l'eau, hein, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Le simple fait que cette éponge soit exposée à des jets intenses d'eau, elle va se purifier. Le musulman aussi n'a pas besoin d'être dans l'érudition, d'avoir bac plus 30 en théologie pour que son cœur, au contact du Coran, se purifie. Mais entre une lecture purificatrice qui nous met en communion avec Dieu, qui nous met dans le recueillement, dans la charité, dans la modestie, et une autre lecture qui va produire de l'injonction, de la norme, faire, ne pas faire, halal, haram, c'est deux choses différentes. La deuxième, c'est le lieu, l'apanage des savants. N'est-ce pas? Voilà. Et combien même, et ça c'est important, je termine sur ça, combien même on aurait compris la signification d'un texte. Voilà. Après l'avoir inscrit dans le texte, dans le contexte coranique, et après avoir institué le tout dans le contexte de la révélation d'il y a 14 siècles, il y a un deuxième effort interprétatif à développer. L'imam Shatibi rahimahullah, il parle de deux sortes d'ijtihad. Ijtihad al-nas et ijtihad tanzil al-nas à la loi. Il y a deux sortes d'herméneutique. Une herméneutique appliquée au texte pour lui faire
dire le sens, l'intention de Dieu à partir de ce texte. Mais après, il y a une deuxième interprétation qui consiste à vérifier, à tester l'applicabilité de ce sens à un contexte, de manière à ne pas lui faire produire l'effet contraire, l'effet boumerang. C'est très important, subhanallah, c'est d'une importance capitale. Ne me dis pas que Dieu a dit, et justement, dans notre histoire, et ça, beaucoup de gens, même des musulmans, ont tendance à l'oublier, entre la loi extraite du texte et son application, il y a toujours eu l'intermédiaire de la fatwa, l'instance de la fatwa. Et la fatwa, nous, ici en Occident, on a une idée, sans toute reçue de la fatwa, parce que ça nous renvoie directement à Khomeini, lorsqu'il a décrété une fatwa de mise à mort contre l'auteur des versets sataniques, Salman Rushdie. Alors que fatwa, c'est pas ça, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est une fatwa que beaucoup de musulmans ont repoussé et ont déconstruit. La fatwa, c'est vraiment c'est un exercice délicat qui nécessite une polyvalence. En fait, lire le texte, lui faire produire le sens, interroger le texte, n'est-ce pas? Se saisir de la réponse du texte, après vérifier l'application sur le contexte. Romain Trappard, c'est juste un exemple, lorsqu'on lui a ramené deux employés qui ont volé pour lui appliquer la punition du voleur, et Romain, le deuxième calife de l'islam, de s'enquérir de leur situation, de leur condition, et il a constaté une misère incommensurable, et ces deux personnes n'avaient pas le minimum de subsistance qui convient à la dignité de l'homme, et il a constaté qu'ils étaient sous-payés par leur employeur Hatib ibn Abi Bakr, et il a failli appliquer la peine à l'employeur en fait, et il a fait un moratoire, il a décrété un moratoire, c'est-à-dire il a stoppé l'application de cette punition tout au long de cette période de disette, c'est-à-dire de pénurie et de pauvreté. Voilà.